tous, c'est Dragon Blast. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Dragon Blast ou Digimon? Peu importe. Ma chaîne principale, c'est Dragon Blast. Vas-y. Et donc, enfin bref. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Pas une vidéo gaming, musique, normal. Enfin bref. C'est juste une sorte de vlog où je vais vous faire un peu découvrir la Guyane. Surtout, on se retrouve sur une vidéo face cam là. Je vais vous faire découvrir la Guyane, parce que c'est mon pays. Enfin non, la région, parce que mon pays c'est la France. Et oui, la Guyane est un département français. Arrête la drogue. C'est bien de le dire parce que personne ne le sait. Exactement. Titi Miaou est avec moi, dédicace à lui, allez voir sa chaîne. Salut. C'est lui qui a fait son image. Ah oui, c'est moi de la pub, c'est ma mascotte lui là, c'est mon petit Jean Minou. Enfin ça c'est un fanart hein, mais après... Hashtag Titi Miaou. Titi. Voilà. Et donc, je vais faire des balades en Guyane, plein de trucs différents, des événements un peu typiques. Je tiens à préciser qu'à la base, c'était mon idée, que je l'avais depuis un an et qu'il vient de me la voler. Mais bon, c'est pas grave, on fait le truc en collaboration, ok? Voilà, voilà. Enfin bref, donc c'était juste ma petite intro, bien nulle d'ailleurs. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et un petit tour. D'accord, je suis là. Eh bien, coucou les gens, on est à la plage. Donc aujourd'hui, on est avec Titi Miaou. Salut. Vous avez déjà fait des vidéos avec lui. Allez, donc, on est à la plage avec une belle merde. Pardon, une belle mer de couleur merde. D'accord. Voilà. Avec. Donc aujourd'hui, on est à la plage, pourquoi? Parce qu'il y a des sculptures. De sable. Enfin, il était censé y en avoir. Ouais, là, il y en a que 3. Donc on est bien deg. Parce qu'il a aussi tourné une vidéo. De mini-vlog. Eh hey, non, non, moi c'est un vlog qui va se tourner sur 6 mois, ok? Tu m'as volé mon idée. Ah d'accord, moi je m'en bats les couilles. Donc voilà, moi c'est. Ça va. Le con il signe un headshot avec son trépied. Headshot. Bon, enfin bref. Et donc voilà. Donc à la base, donc c'est tous les ans, il y a des artistes qui viennent sur la plage et qui font des putains de sculptures de sable. J'ai du mal à parler aujourd'hui, je suis fatigué. L'année dernière, on avait marché carrément dans un château de sable géant. Ouais, ah tu l'as fait, moi aussi, c'était ouais. Génial. Et donc voilà, c'est plutôt pas mal, sauf quand il y en a que 3. Donc là, on est bien deg. Génial, vive l'office du tourisme. Il est juste là, ce petit enculé. Ah non, il est là. Donc voilà, on commence avec un homme en train de dépression. Ça, c'est moi ce matin dans mon lit quand j'ai pas eu Articona alors qu'il était à 500 mètres de chez moi parce que ma box, elle a déconné. Voilà. On voit qu'on peut remarquer très bien aussi la belle oreille, très bien réalisée. Ouais. Mais les gars, ils s'appuient sur rien, sauf sur une chose. L'oreille. Pain, pain. Sérieusement, regarde-moi sa bouche, les lèvres qu'il a et les trous de nez aussi. Je sais pas. J'espère que c'est... Ouais, désolé aussi pour la qualité du son. Ça va être dégueulasse. Je peux pas faire autrement. Si tu veux, je te prête. Donc voilà, alors suculture suivante. Suculture suivante, on a des mailles 40 avec. Donc quand on est derrière, on a plutôt l'impression que c'est juste un gros tas de sable. Mais en fait c'est des putains de poissons avec un truc, une sorte de serpent des mers, je sais même pas ce que c'est. Ouais, ça c'est un poisson. T'as vu. Mais regarde, ce poisson là, il est obèse du dos, tout simplement. Ah oui, et petite. J'ai réussi à savoir pourquoi ils ont pas pu faire plus de sculptures. Je vous rassure, j'ai pété de rire quand j'ai entendu la raison. En fait, on leur a dit, je sais pas qui leur a dit. Ils ont pas eu le droit de faire des sculptures parce qu'ils ont pas eu le droit de toucher au sable. Ah oui, maintenant le sable est une espèce protégée. On le voit d'ailleurs assez pour ça. Exactement. C'est pour ça que maintenant le sable est une espèce protégée. Voilà, ils ont aussi en pensé. Et non, ce n'est pas un troll, c'est vraiment la vraie raison pourquoi il n'y a pas plus de sculptures. Yeah, là, il n'y en a que 3. D'habitude, il y en a 100, 200, je ne sais plus combien, mais il y en a vachement plus. 300, voilà, à peu près. Ouais, mais bon, même. Ils auraient pu se mettre là-bas, t'as du sable. Ils auraient pu se mettre à la place des roches. Ouais, parce que vous voyez. Ils auraient tiré masse de gens, il y a plus de sable. Ouais.
sur son plateforme. Quand? Putain! Oh, calme-toi, maman. Putain! D'accord. Et ouais, donc, même si c'est chiant de faire des sculptures là, on peut les faire là-bas. Je sais pas, ils ont... Voilà, et donc on va terminer par la troisième sculpture du jour. La troisième sculpture du jour. Donc on a en fait tout simplement Snoopy version Snoopette. Pourquoi? Parce qu'elle est enceinte. Et venez voir les amis. Il y a juste quelque chose qui manque, le trou de balle. Et venez voir, ça se voit vraiment qu'elle est enceinte, Snoopette, parce qu'elle a perdu les os. C'était la blague de 2016, complètement. Voilà, on va s'arrêter là pour les sculptures. Voilà, on va se quitter, puis on se retrouve demain à la campagne des singes. Ciao. Eh bien, salut les gens. Je suis défoncé parce que je viens de me réveiller. Donc, en fait, je vous avais dit hier au truc de la plage qu'aujourd'hui on irait faire une balade. Et du coup, pour faire la balade, on s'est réveillé assez tôt. Il est quelle heure là? Voilà, il est 7h, mais ça fait 20 minutes qu'on est réveillé à peu près. Non, 15 minutes. Ouais, enfin bref. Réveille. Et on s'est couché à 7h, donc on est pas mal défoncé. On va même pas bouffer avant d'aller à la montagne des singes. On déjeunera après. Voilà. À tout à l'heure. Bah voilà les gens, on vient d'arriver à la montagne des singes. Sauf qu'on est bien déçus, il y a un rassemblement de vieux. Voilà. Du coup, il y aura plein de tâches dans nos plans. Oui. Voilà. Ouais, donc voilà, on va tracer devant. Traçons. La petite surprise. Et voici l'arbre de Guyane. Le fromager qu'on l'appelle. Ouais, c'est le fromager. D'ailleurs, tous les ans, il y a un concours en Guyane, ouais, encore un concours, où chaque village qui a un très grand arbre va, bah, il va déposer des photos, des relevés sur cet arbre. Et le plus grand arbre de Guyane remporte un prix. Bon, il va le donner au village parce que ce serait chelou si un arbre remportait un prix. Si un arbre avait un prix. Nous nous quittons sur une belle image de ce fromager. Attention, fromager. Il fait pas pousser du fromage. Hein. Il fait pas pousser du fromage, je vous rassure. Il fait rien pousser d'ailleurs. Voilà. Allez, on y va. Donc voilà les gens, on est enfin arrivé. Attends, tu veux tout en haut. Non, c'est bon, je viens. On est enfin arrivé tout en haut. Donc, le carbet. Voilà, lui qui prépare son timelapse, moi aussi je vais en faire un. Il va voler mon trépied le salaud. Non, je pense que je vais le mettre sur la rambarde si c'est bon. Là on a un petit carbet de feu, voilà. Pour faire une barbecue. Ouais. Barbecue, grillade, et... chipot, tout ça, tu connais? Mais oui, c'est clair. Que si c'est la famille. Et voilà. Regardez ça. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec un petit... On va passer par le grand chemin. Non, putain, j'ai eu trop chaud. Ouais. Oh mon gars. Il a failli marcher dessus. Ah, j'ai crié, je l'ai vu au dernier moment. Oh, t'as eu la peur au ventre. On sait pas trop ce que c'est. C'est peut-être un Graal. Non, les Graals, c'est tout noir, non? Je sais pas. Guédé, il est juste là. Je pense que ça peut se voir sur mon visage. Mec, je suis pas blanc. Ah, si. Attends, avant, t'étais un peu rouge, maintenant t'es. Mec, j'ai méga eu peur. Regarde, il est super agressif. Faut trouver un grand bâton. Moi je peux pas faire ça, hein. Filme-moi toi.
Non mec, là on peut pas passer au casier. Faut juste un grand bâton. Attends, j'ai les deux écrans. Alors nous allons filmer. Coucou. Dragon Blast Main versus Wild qui va essayer de chasser le serpent. Parce que sinon on peut pas passer, regardez. Juste là. Juste là et on peut pas passer parce qu'à droite et à gauche c'est son rayon d'action. Ah non. Mais on lui jette des cailloux, non? Non. Je pense que ça peut être la dernière option. Il faudrait un grand bâton. Mais comment on va faire? C'est trop chaud. Nickel. Te fais pas mordre, hein, Théo. Je pense que je devrais être bon. Dégage, petit bâtard. S'il bouge, tu dégages. Oh, la boule mort de bâton. Dégage. Hey, il est mort de bâton, hein. Bouger ce matin. Et essaye encore. Ça marche beaucoup. Eh mec, je flippe. Il est agressif. Il est descendu là. Il est descendu. Ah, je vois sa putain de tête. Il est en mode pédobière. P de bière est gentil, P de bière est doux. Regardez. Mais si tu te confies à lui, t'élargiras. Oh, il est remonté si vite! Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette première vidéo sur le vlog de Guyane. Au départ, je voulais faire genre maximum 2 parties. Sauf que je vois vraiment que ça va être beaucoup trop long. Du coup, bah, je vais diviser en plein de morceaux. Donc là, c'est la première. J'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!